voilà, ça arrive. Ah, ça arrive. Direction l'Argentine. Oui, et retenez bien son nom, il s'appelle Javier Milei. C'est le favori de la présidentielle en Argentine, qui aura lieu dans 2 semaines. Il va très vite vous rappeler quelqu'un. Su caractère populiste et extravagante a hecho que, en especial, sus detractores le llamen el loco. Está Javier Milei ha sido la gran sorpresa de estas elecciones primarias. Algo extraordinario, algo totalmente impensado. Javier Milei a remporté à la surprise générale les élections primaires au mois d'août. C'est un ovni total en politique, mélange de Donald Trump et de Mick Jagger, avec une coupe de cheveux improbable. Et face à Tucker Carlson, le présentateur star de l'extrême droite américaine, il a livré la recette de son succès. Comment avez-vous fait pour devenir, alors que vous n'avez jamais fait de politique, aussi populaire, aussi vite? J'ai été joueur de football, chanteur de rock, et je suis économiste. C'est une combinaison attractive pour la télévision. Ben voilà, tout est dit. Javier Milei est avant tout un pur produit de la télévision, un économiste qui électrise les talk shows argentins depuis des années. Il ne recule devant aucune outrance, comme cette fois où il a voulu s'en prendre à l'Argentin le plus célèbre au monde, le pape. L'imbécile qui est à Rome défend la justice sociale. Le pape impulse le communisme. Je vais le dire très directement, le pape est le représentant du malin sur Terre. Et s'il s'en est pris au pape, c'est parce qu'il déteste plus que tout la gauche, les gauchistes de merde, comme il dit. Ils sont en train de perdre la bataille culturelle, ces gauchistes de merde. Pour la première fois, ils sont acculés, ces gauchistes de merde. Et en bon économiste libéral, Javier Milei déteste aussi l'État, qui n'hésite pas à comparer à un pédophile. Notre vrai ennemi, c'est l'État. L'État, c'est un pédophile dans une école maternelle avec des enfants enchaînés et enduits de vaseline. Un charmant personnage. Alors, un ultra-libéral en tête des sondages pour la présidentielle argentine, ça paraît assez étonnant, car les politiques libérales du FMI ont souvent été accusées d'avoir ruiné le pays. Mais Javier Milei surfe sur l'échec des partis traditionnels, de gauche comme de droite, ce qu'il appelle la caste. Ils sont tous de la même caste. Nous sommes la formation politique qui foutra tous ces voleurs à la porte. Foutre ces voleurs à la porte, et le programme séduit une Argentine rincée par une inflation à 115%. Et peu importe son programme économique qui promet des coupes brutales dans les dépenses publiques, il veut les découper d'ailleurs à la tronçonneuse. Mais malgré cela, il est très populaire dans les quartiers pauvres touchés par l'inflation. Les outrances et la virginité politique de Javier Milei donnent de l'espoir, et oui, aux Argentins. Ils veulent croire à ses belles paroles, et pour convaincre qu'il n'est pas de la caste qui s'enrichit sur les pauvres, il fait gagner chaque mois en direct à la télé son salaire de député à la loterie. Hola, Jonathan. A ver. Salut, Jonathan. Tu as gagné les 370 000 pesos. Eso fue su montón. Tu es heureux? No te das una idea, pero te digo a morir. Vamos. Allez. Les positions de Javier Milei sont très iconoclastes. C'est un climato-sceptique, évidemment, adepte de la vente d'armes en libre-service, pour la vente des organes, pour la légalisation des drogues, mais contre l'avortement. Et ce n'est pas terminé, il se revendique carrément des modèles Trump et Bolsonaro, avec une touche libertaire jusque dans son lit. C'est par exemple un grand adepte des plans à trois. Oui, disons que j'ai participé à plusieurs plans à trois. Je te dirais que dans 90% des cas, c'était deux femmes avec moi. Voilà. Tout ceci n'est pas une blague depuis le début. Tu l'as souvent vu en réunion ce matin. C'est vrai, j'ai souvent vu. Il est encore plus surprenant qu'on ne l'imaginait. Alors, avec tout ce qu'on vient de voir, peut-il vraiment remporter ces élections? Est-ce que c'est une blague ou pas? Eh bien, pas du tout. Sa nouvelle tactique à 2 semaines du scrutin, c'est s'assagir pour conforter son avance très marquée dans les sondages.